est parti. Oh, merci de nous avoir épargnés, seigneur. Ah, c'était juste un ours avec un bonnet à clochette. Bon, bah, total, on a cassé un essieu. Oh. Bah, il y a une auberge un peu plus loin, là. Il faut aller voir s'ils ont des outils. L'auberge du Crouteux, quel nom sympathique. Je ne trouve pas ça très appétissant. Voilà. Et le Crouteux, il y a quelqu'un? Papa, ouf, c'est moi. J'allais cacher le corps. Oh, Rose, c'est Mathilde. Ouvre, je suis avec des clients. Mais enfin, ouvrez. Il est idiot ou quoi, votre père? Mais ouvrez, bon sang. Quelle région de crétin. Ah oui, il y a des clients, je vois ça. Bienvenue au Crouteux, mesdames, messieurs. Entrez, entrez. Avez-vous du vin chaud? Quelque chose à manger? Oh, et vous avez des outils là pour réparer? Oui, bougez-vous, restez pas plantés là. La crétin des Alpes, Marie-Odile. J'ai une drôle d'idée d'avoir ouvert une auberge dans un endroit aussi désolé. Oui, parce qu'on aime la tranquillité. J'ai cru entendre frère Jacques dans la cheminée. C'est le vent qui chante dans les conduits, mon père. Vous verrez, cette auberge est magique. Je ne veux pas rester, il y a le diable dans cette auberge. Le diable, allons bon. Et à quoi il ressemble, ce diable? Il porte des jupons en dentelle. Ils sentent fort. Mais ces pauvres gens ont la bonté inscrite sur leur front. Je ne veux pas qu'on touche au prêtre. Je serais bien contente d'en trouver un jour de ma mort. Eh ben, je t'en dégoterai un autre. Hein. Confessez-moi, mon père. Mais je ne peux pas vous confesser là, comme ça. Il me faut un confessionnal avec une grille. Une grille? Mais remontez la grille à châtaigne. C'est un petit vin de pays, mais il a du caractère. Ah, un Gaspard crevé dans la vinasse, c'est pas bon signe, Saint-Martin. Oh, il a un goût de rance. Il y a comme des poils dedans. C'est bien vrai que les prêtres ne répètent jamais ce qu'on leur a dit en confession. Depuis 19 siècles qu'on confesse, et Dieu sait s'ils ont fait des péchés. Jamais, au grand jamais, le secret de la confession n'a été violé. Pendant que cette tapette fait le bouffon, donnez-moi donc la saucisse du père, j'ai une remontée de bile. Un marchand de fromage avec son cheval s'était arrêté chez nous. Je m'en rappelle bien, c'était le premier. On l'a mis dans le jardin, sous le pommier. Quoi? Enterre-le là-bas, sous le gros sapin. Comment ça, sous... Dans la terre, puisqu'il était mort. Mort? Ah oui, ça a dû vous faire un coup, un client. T'es quelque chose avec ça? Le suivant, c'était un célibataire de Saint-Étienne. Parce qu'il est mort aussi. Ça quoi? Ben ça, dans la brouette. Mais que, comment est-il mort? Je préfère pas vous raconter. Faut dire que le petit débutait aussi. Débutait dans quoi? Et dès le troisième, ils ont beaucoup moins souffert. Attendez. Dis-moi la recette, là, pour ma mère. Il y a quoi là-dedans? Racle le fond, tu vas avoir une surprise. Vous êtes en train de me dire que vous avez tué vos clients? On veut la soupe! Mais ça arrive! C'est pas le moment des bandiaiseries, Rose. Il y a du boulot en cuisine. J'avais briqué la cuisine ce matin. On va tous les liquider. Mais on a toujours fait que du voyageur isolé. On n'a jamais fait de gros. Vous avez donné des chrétiens à manger aux cochons? Bah, ils en mangent bien, eux. Tenez, mon père, un bon morceau de cochon. Non! Mais c'est dans l'assiette qu'on voit si l'animal a été bien nourri. Mais il faut dire que nos bêtes, on les chouchoute. Charge ma puce. Arrêtez, c'est affreux! C'est juste une marionnette! C'est affreux! Ça, ils vont dormir comme des loirs. Voyez-moi, mes frères, il faut partir. Fumier de curé, nous les enlève. On va tout barricader. Réveillez-vous! Madame la comtesse! 102? On est débordé ce soir. C'est toi que je veux. Oh, c'est bon. Tenez ma glacée, ma Mathilde. Priez pour le salut de votre âme. Oh mon Dieu, quelle horreur. Donne-moi ta main, petit. J'en peux plus de ce carton. Pour moi, c'est un fou. Bah oui, voilà. Un authentique fou. Vous n'arriverez pas tous là au vivant, je vous garantis. Entrez. Oh, fait quelque chose. Oh merde, Doom, c'est trop lourd, on n'y arrivera jamais. Ah, attention. Ah oui, ah, pardon. Oh. Le rate pas, petit. Oh putain, le putain. Merde. Pardonnez-moi, seigneur. Allez. Donnez-moi la force de tenir le secret de la confession, mon Dieu. C'est un Graal, l'hôtellerie. On se met en quatre pour les clients, et résultat, ils s'en foutent.